Λοιπόν, για, καταρχάς να πούμε ότι για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε εδώ πέρα. De prime abord, en fait, on voulait vous dire que pour nous c'est un grand honneur d'être aujourd'hui parmi vous ici aujourd'hui. Πραγματικά είναι πολύ, μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις των εργαζομένων συνολικά στη Γαλλία και στον κλάδο της ενέργειας. Et nous nous intéressons beaucoup en fait sur le développement, sur ce qui se passe. Sur les conditions, sur ce qui se passe pour le travailleur en France et à la fois pour le travailleur en énergie, dans le domaine, dans les secteurs de l'énergie. Αρχικά μας ενδιαφέρει γιατί η νίκη ενός μιας μερίδας εργαζομένων θα είναι νίκη για όλους τους εργαζομένους. D'abord, nous sommes intéressés parce que la victoire d'une partie des travailleurs, ça sera la victoire pour toutes les travailleurs. Οπότε και η έκφραση αλληλεγγύης από εμάς εδώ πέρα και από τους λιμενεργάτες και από την εργατική τάξη της χώρας μας εδώ πέρα τη μεταφέρουμε εμείς με μεγάλη τιμή και χαρά. Et du coup, dans ce cadre-là, l'expression de la solidarité de chez nous, des dockers de Costco, mais aussi en fait de notre classe ouvrière, de notre pays, nous, on voulait vous les transmettre avec un grand joie. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε παρόμοια κατάσταση στο χώρο μας. C'est aussi très important parce que nous aussi on fait face, nous faisons face dans les mêmes conditions, dans les mêmes états de choses de chez nous, en fait dans notre secteur, dans notre travail. Δηλαδή, ένα από τα βασικά αιτήματα που είχαμε από την πρώτη μέρα ίδρυσης του σωματείου μας ήταν το να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Une des premières revendications qu'on avait chez nous à Costco de Coeur de Piret, deux premiers jours de la fondation de notre syndicat, c'est d'avoir en fait un travail stable pour tout le monde, contre la précarité. Το 75% των εργαζομένων ήταν με ελαστικές μορφές απασχόλησης το 2014. Le 2014, le 75% de travailleurs de nos collègues travaillaient sur les conditions de précarité, avec de relations de travail précaires, élastiques. Πλέον μετά από 8 χρόνια σκληρού αγώνα και με τη στήριξη των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, των συναδέλφων, των συντρόφων από τα σωματεία, τα ταξικά όπως τα λέμε. Désormais, après 8 ans de lutte et avec le soutien de la part du PAME et le soutien en fait des travailleurs et des syndicats des classes. Και τις μεγάλες απεργίες που κάναμε τα τελευταία χρόνια. Suite au grand grève en fait qu'on a fait, les dernières années. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό και θα το εξαλείψουμε τελείως. Ce pourcentage là de 75%, là ça devient beaucoup moins, ça devient une minorité et on a le but, l'objectif de l'éliminer. Για μας, επειδή και εμείς είμαστε ένα στρατηγικό χώρο δουλειάς, όπως αντιλαμβανόμαστε και τη σπουδαιότητα που έχει ο κλάδος ενέργειας. Pour nous, en fait, parce que nous aussi, on se retrouve, on travaille dans un secteur qui est stratégique. Et pour moi, un secteur très stratégique pour les capitalistes, comme aussi on conçoit en fait que le secteur de l'énergie, c'est aussi stratégique. Έχουμε χρέος και καθήκον σαν εργαζόμενοι και σαν σωματεία να πάρουμε όλα τα μέτρα έτσι ώστε το σύνθημα αυτό που λέμε στην Ελλάδα ότι αυτός ο χειμώνας ο δύσκολος που μας καλούν και μας προετοιμάζουν να περάσουμε δεν θα είναι για μας δύσκολος, αλλά θα είναι για τις κυβερνήσεις και τα αφεντικά. Nous devons du coup, nous avons le devoir de prendre toutes ces mesures-là et de s'organiser pour ce qu'ils disent aussi en Grèce que cet hiver ça va être lourd, ça va être difficile pour nous en fait de mettre en difficulté cet hiver le gouvernement et le patron pour que ce soit un hiver difficile pour eux et pas pour nous. Εμείς φεύγοντας από αυτήν εδώ τη συνάντηση και από όλες αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ πέρα. Nous partons en fait de cette rencontre ici mais de tous les jours en fait que nous sommes ici au congrès. Φεύγουμε σίγουρα πολύ πιο γεμάτοι και πιο δυνατοί. Nous partons en fait beaucoup plus ressourcés, beaucoup plus fortes, plus fort. Με σκοπό όλη αυτή την πείρα, την εμπειρία εδώ πέρα, να τη μεταφέρουμε και στους εργαζόμενους της χώρας μας. Ayant comme objectif toute cette expérience-là qu'on a acquis en fait tous les derniers jours, de la transmettre en fait aux travailleurs de notre pays. Με σκοπό τις αιστείες αντίστασης και αγώνα να τις πολλαπλασιάσουμε και στη χώρα μας, σε κάθε χώρα, αλλά και όπου μπορούμε να στηρίξουμε.